Fait super froid. Là, on a eu un petit peu d'accalmie ici en Bourgogne. Plus exactement, là, on est en Saône-et-Loire. Un retour en Saône-et-Loire, qui était le département où j'étais avant. Maintenant, je suis en Côte d'Or. Mais j'ai aussi une maison secondaire en Saône-et-Loire. Donc, on y revient assez régulièrement pour prendre un petit peu l'air et s'éloigner de la ville, en fait. C'est un lieu qu'on aime beau particulièrement puisqu'en fait on est au bord du canal et de la Euro 6, la Eurovélo numéro 6 qui traverse l'Europe d'est en ouest. Donc il y a une partie de ce tronçon long qui passe par ici, là en Saône-et-Loire. Et c'est un lieu que moi j'affectionne particulièrement. Je ne suis pas bourguignon d'origine, je suis bourguignon d'adoption. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mes origines sont plutôt Cévenoles, et plus particulièrement lozérienne Cévenoles. Mais c'est un lieu que j'apprécie beaucoup pour cette diversité où, en fait, dans un département comme la Saône-et-Loire, on peut trouver différents paysages. Bien sûr, la gastronomie et puis le côté vin du coin me plaît énormément, hein, puisque j'apprécie beaucoup le vin, je suis un grand amateur de vin et je prends plaisir à venir ici donner des coups de main à des collègues pour travailler dans les vignes. Ce sont des lieux bien sympathiques. Alors dans cette petite vidéo vite faite, en fait c'est juste pour vous faire un petit pocket dump, savoir ce que je porte aujourd'hui lorsque je... c'est comme ça aujourd'hui, un dimanche où je ne travaille pas bien sûr, certains dimanches je travaille, où je suis ici à la maison de campagne. Tout d'abord, je voulais remercier Green Powder parce qu'il m'a permis de... Enfin, c'était déjà quelque chose que je regardais depuis longtemps, mais sa dernière vidéo concernant la veste Helicontex, qui ressemble à la T55, donc la veste militaire en fait. Je cherchais des informations dessus et puis sa vidéo m'a permis enfin d'avoir toutes les informations nécessaires, donc j'en ai fait l'acquisition de cette veste là que je trouve très sympathique, alors qui est peut-être un peu limite pour une journée comme aujourd'hui, mais printemps, automne, ça va être une veste qui est fantastique. Chaque année je fais l'acquisition d'une veste et d'une paire de chaussures pour l'hiver et ainsi de suite, chaussures de randonnée. Généralement pour les chaussures je me retrouve avec des Columbia. Mais au niveau de la veste, la dernière veste que j'avais de ce style-là, c'était une Quechua, une doudoune, une sorte de grosse doudoune canadienne qui ressemble d'ailleurs fortement dans le look à ce type de veste-là, mais beaucoup plus épaisse. Et là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger et qui puisse être porté avec la laine limite, si c'est besoin, quelque chose en dessous. Comme ça, je pouvais, si jamais il faisait trop beau, varier et retirer la veste ou retirer la couche qui se trouve en dessous. Donc un très bon choix, cette veste-là, je crois que c'était aux alentours des 130 euros, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de Helicontex. Ouais, je crois que c'était sur le site de Helicontex, enfin, via le lien qu'il avait mis en vidéo, j'en ai fait l'acquisition là. Voilà, donc un super choix si vous cherchez une veste. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez comme hier on s'est baladé, il faisait un peu de pluie, vous voyez, vous avez une petite capuche imperméable. Alors la veste n'est pas totalement bien sûr imperméable. Moi je l'ai imperméabilisé, mais c'est vrai que c'est pas une veste qui est faite, enfin qui va supporter un petit peu les quelques petites pluies. Hier par exemple ça a très bien fonctionné, moi je l'ai imperméabilisé dessus, mais bon, les coutures et tout ça ne sont pas étanches 100%, voilà, donc à faire attention. Mais si vous l'imperméabilisez correctement, ça joue à peu près le rôle. Pour des petites pluies sous un parapluie, bien sûr, ça peut très bien jouer le rôle.
Pour les produits que je porte sur moi, on va retrouver classiquement une petite lampe torche, c'est la Olight IT3, modèle en laiton que vous avez déjà vu sur ma chaîne maintes fois. Voilà un petit modèle que je trouve bien sympathique, qui prend de la patine au fur et à mesure du temps, qui fonctionne très bien. Alors dedans, j'y ai mis donc des batteries classiques et non pas des accus rechargeables. Pour une petite fonction EDC, ça fonctionne très bien. À savoir que, bien sûr, comme vous savez, je me promène toujours dans la voiture ou pas très loin de moi, toujours avec un sac à dos dans lequel je vais avoir une lampe torche tactique beaucoup plus conséquente pour les gros besoins, si jamais j'ai besoin d'éclairer mon chemin ou me signaler en cas de problème, je vais avoir un autre produit. Un deuxième outil qui me suit, bien sûr, c'est un couteau, et aujourd'hui on est dimanche. Et bien sûr, vous savez que le dimanche, j'utilise des couteaux traditionnels. Donc, je voulais ressortir ce fameux José da Cruz, lame en inox, celui-ci, par contre, qui s'accorde très bien au niveau du thème avec lampe torche. Voilà un petit couteau pour la table qui me suit aujourd'hui avec cette petite virole en laiton, puisqu'on restera sur le système bois laiton. Et voilà, il joue très bien le rôle là. Un cadeau d'ailleurs de Jean-Charles Laine, que je remercie pour m'avoir aidé à découvrir cette marque là, ainsi que Jean-Luc de la chaîne Couteau, qui fait de moins en moins de vidéos d'ailleurs, malheureusement. Un bonjour à toi et prends soin de toi, Jean-Luc, c'est important. Voilà, donc ce petit couteau d'une marque que vous commencez à connaître maintenant si vous nous suivez assez régulièrement sur les différentes chaînes que nous sommes. C'est un modèle que vous connaissez maintenant depuis fort longtemps. On va avoir le triptyque classique, donc l'iPhone et puis ce petit porte-carte de chez Gusty Leder en cuir qui joue très bien le rôle dans cette situation-là. En termes de briquet, j'ai ressorti ce petit briquet en marque Gold comme ça, et puis il me fallait une plume. Et donc, bien sûr, le Fisher Spain en laiton avait tout à fait sa place dans ce genre de kit de pocket dump aujourd'hui dimanche. Il va finir par être complété par ce système de AirPod qui, bien sûr, s'associe avec l'iPhone, ainsi qu'une Apple Watch avec série 8 avec un bracelet en cuir marron pour accorder le thème de l'EDC d'aujourd'hui dimanche. Alors certains se tiendront à dire que c'est un modèle dont la virole est fragile. Écoutez, moi depuis à peu près 3 ans que j'ai ce genre de modèle là, j'en ai plusieurs du même gabarit, hein, de cette marque là, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, effectivement, ce sont des couteaux que j'utilise pour une utilisation essentiellement alimentaire. Donc on coupe pas du bois avec, on force pas avec, hein, de toute façon ce n'est pas le genre de couteau qui inspirerait à bricoler avec avec ce genre d'outil là, parce que il est très joli, hein, donc c'est un peu dommage. Et puis voilà, et puis c'est vraiment le couteau de poche pour couper le bout de saucisson, le bout de fromage, la tranche de pain, voilà, lorsqu'on va pique-niquer, lorsqu'on va se promener. Voilà, c'est tout à fait ce genre d'outil là. J'ai eu aucun problème concernant la virole au niveau d'un jeu. Voilà, il verrouille correctement. Et la lame, comme vous pouvez voir, ne bouge pas. Donc par contre, ça reste, donc que ce soit en inox ou en carbone, mais surtout en carbone, ça reste un trancheur phénoménal. C'est vraiment un super produit à avoir en poche. Si vous voulez porter quelque chose qui soit, on va dire, suffisamment social, hein, dans lequel vous pouvez le sortir devant à peu près tout le monde sans que ça pose une panique générale sur le genre d'instrument que vous sortez de votre poche. Voilà pour ce pocket dump dominical. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Mettez-vous à l'abri pendant l'hiver si c'est possible. On va s'approcher des fêtes. Cette année, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les thèmes que vous pourriez acheter pour Noël. Je pense que dans tout le travail que j'ai fait au long de ces 3 ans maintenant, vous avez de quoi piocher si jamais vous avez besoin d'informations. J'ai essayé de mettre les liens à peu près vers tout le genre de produits que vous pouvez faire
que vous pouvez acquérir, voilà, pour bien sûr toujours dans un contexte de rapport qualité intéressant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.